Eh ben salut tout le monde, c'est Tagorblu, aujourd'hui on se retrouve pour la suite F1 Dungeon Team 3 Remastering HD sur PS4. Et donc on est au dernier chapitre et on va arrêter Marlowe et compagnie. Hop, on va déjà sauter. C'est fini, Drake. Toi aussi c'est fini, tiens prends ça. Voilà, ça c'est pour commencer, c'est pas mal. Toi aussi dégage. T'es pas invité à me suivre. Non, non. Tiens, prends ça, cadeau de la maison. C'est bon, on a fait le tour. Oh, merde. Oh putain. Voilà, ça c'est fait. Il me reste une balle. Voilà. Allez, bonne nuit. Putain, il est pas mort. Voilà, ça c'est fait. Ah, t'es gentil toi. Ouais. Tu descends tranquille les marches. Bah c'est bien, c'est tant mieux. Fais dans ta chambre. Mal poli, va. C'est tout. Y'en a d'autres? Où est-ce que t'es toi? T'es un pépère, cadeau. C'est pour toi. T'es mort? Oh, excellent, merci. Bon sang. Prends ça dans la tronche. Tu crois que je t'ai pas vu arriver derrière, peut-être? Oh putain. Ah, il s'est fait exploser, couillon. Oh. Non, moi je fais ça là, je veux des munitions! Allez! Putain, les munitions ils sont où? Voilà. Ça c'est pas vraiment de fastoche. Hein. Pourquoi ça a explosé? Non, y'a rien. Ah, munitions. Dieu merci. Tu vas bien? Si tu savais ce que je... C'est quoi le problème? Qui me dit que t'es réel? Ah! Et ça, c'est assez réel? Pointe jamais de flingue sur moi. Je les ai vus descendre, juste après l'éclipse. Quoi? Quelle éclipse? Eh hey, petit, t'as pété les plombs après avoir bu à cette fontaine. Ça vient de l'eau. Voilà ce qui a détruit la ville. C'est pas la colère de Dieu.
toute la réserve d'eau est polluée par une espèce d'agent hallucinogène. Ça a dû tous les rendre fous. C'est sûrement ça que veulent Marlowe et Talbot. Ouais, t'as raison. Cutter a dit, ils contrôlent leurs ennemis par la peur. Ouais, ça doit être ça. En théorie. Sauf que ça rime à rien du tout. Comment ils comptent s'y prendre pour faire sortir l'eau ? Non, ça vient pas de l'eau. C'est ce qu'il y a dans l'eau. Comment ça ? C'est simple. Écoute-moi une seconde. Salim m'a dit qu'Iram a été maudite quand Salomon a enfermé les mauvais esprits du djinn à l'intérieur d'une urne en cuivre et l'a jetée au plus profond de la ville. Un génie dans sa lampe. Je sais, ça semble complètement dingue. Donc, tu penses que ce serait pour ça qu'Elisabeth et Dee auraient envoyé Francis Drake ici ? Oui. Ils voulaient pas de trésor, mais le pouvoir. C'est seulement quand Drake a compris son objectif qu'il a abandonné. Il a menti à la reine, en disant qu'il avait rien trouvé, masqué toute trace de son voyage, et réécrit l'histoire. On est qui pour juger Sir Francis ? On descend dans ce trou pour mettre un terme à tout ça. Une fois pour toutes. Eh ben on y va. Pas de problème. Regardez ça. La ville repose sur cette caverne. Ça a pas l'air très sûr, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire. On ferait mieux d'aller en bas. Ça va être le bordel. Tu te sens prêt ? C'est parti. Bah, niveau, on n'a pas le choix de toute façon. Oh, le truc de malade. C'est comme ça qu'ils amènent l'eau à la surface. Nom de Dieu, regarde-moi ce plafond. C'est incroyable que tout soit pas encore effondré. C'est dingue que ça tienne encore. Bon, bah, on continue. J'imagine qu'il faut passer là-haut. C'est là qu'on doit traverser. Aide-moi à ouvrir. Merde, à terre ! Quoi, à terre ? Bonjour les gens. Tiens, prends ça dans ta gaule. Tiens, et puis prends ça aussi. Tiens, et puis ciao, bonsoir. Tiens, prends ça toi. Des coups de balle comme ça, non ? Ok, donc ils sont là maintenant. C'est pas de tout repos, hein, les unes d'être un justicier aventurieux et tout bordel. Allez, bonne nuit. J'ai encore des. Non, j'ai plus de balles. On dégage, on dégage ! Voilà, bonne nuit. Et bonne nuit. Ah.
Tiens, va faire un somme. Voilà, maintenant on va où? Faut descendre. Allez, la voie est libre, là en bas. Ah merde, Sully, il en arrive d'autres. On les a piégés. T'as qui ça? Qui me tire dessus, c'est toi? Bon bah oui, c'est toi. Oh si, t'inquiète, j'arrête pas de faire comme ça de toute façon. Sauter, c'est lui. Comme ça, ça s'est fait, on est arrivé. Ah bah ça c'est con. Elle sort. Elle sort. Voilà, ça c'est réglé. Et qui s'est fait exploser, je me le demande. Ah non, moi je prends ça. Non, c'est vrai, t'as maintenant de l'apocalypse cri. Ah bah grâce à ça. Eh, va coucher. Oh, encore un autre! Mais Sully, tu te fais pas toucher, c'est bizarre. Voilà, ça c'est réglé. Attends, il y en a encore là-haut là. C'est bon? À couvert! Oui. Non, c'était pas sûr que je voulais. Ah si, c'est ça. Ah, moi je fais le ménage hein. Y'en a un haut et un haut là. Je vais l'avoir. Eh oui, vas-y, donne-moi des coups, je te dirai rien. Est-ce que t'es... T'es dans ta chambre. T'es bon? Ah non, c'était pas par là, c'était par là. Oh merde. Pide. Putain, c'est qui m'a mis une balle dans le bordel là. Ouais, il s'est fait exploser. Par contre, je reprends des munitions là. Heureusement qu'il y a encore des munitions sur le côté. Tranquille. Mais là, lui aussi. Tranquille. Bon, et maintenant on va où? Ah bah par là. On va voir ce qui mijote. Une chose est sûre, ils vont dans l'eau. Hey. Super. Je vais pas lâcher ça. Allez, on continue. Sully, viens m'aider, on doit passer là. J'ai
personne. Là non plus, il y a personne. Eh ben, on continue. C'est là qu'il... Voilà le réservoir central. C'est là qu'ils vont être. T'es prêt? Ah ouais. C'est le pont qui traversait. Ça doit être là qu'ils vont. Et on y va comment? Par le Saint-Esprit? Là on peut pas ouvrir non plus. Merde. Elle est où l'entrée hein? Ah c'est là, d'accord. Il fallait comprendre. Ah oui, je m'en souviens, c'est... Tu crois que c'est le moment de se donner des coups, toi? Donnez les loyers de Marlo. Tout le monde dehors. Oh putain, mais... Ils voient pas qu'on va se faire enterrer. Quelque chose me dit qu'ils s'en foutent. Pas moi, putain. Oh merde, la vie. On va sortir d'ici. Et vite. Oh là là, je fais du n'importe quoi, j'ai foncé dans le tas là. Mais hey, c'est pas possible ça. Ah merde, je le chasse.
enfin. Ah bah tu vas m'en donner une. Merci. T'arrêtes pas. Ouais, voilà, tout droit là. Chili, par là. Foutons le camp d'ici. Allez, viens m'aider. Tiens, attrape. T'as, y'a quelqu'un derrière moi quoi. Ah, c'est toi qui fais chier le monde hein. Allez viens, ouvre. Bon, tu commences à me faire chier. Merci pour ton arme. Eh ouais, une balle dans les fesses. C'est tout, y'a plus personne là. Bon, on y va. Merde, on passe par où maintenant là? Est-ce qu'il faut pas passer par là? Des fois que. Ah, ça c'est pas mal ça. On fait quoi là? On reste ici? On fait la fête au village? On fait quoi? Merde, il faut passer par où là? Eh Sully, donne-moi un coup de main. Est-ce qu'il faut passer par là? Par ici Sully! Eh par là! Comment on va sortir d'ici? Par la sortie de secours. Non, t'es vrai, toi? Voilà, file dans ta chambre. Ça va jusqu'où, ça? Ah, c'est bon, c'est pas la peine de donner des coups, hein. Bon, et après, ah là-haut. Allez, merde. Ça me s'est passé, ouais. Ensuite. Ah merde, c'est vrai, j'ai plus. Bon, on a pas le temps. Je vais faire le coup qui m'emmerde. C'est la sortie. Oui, moi. J'ai rien à prouver. Vite, ta main.
Tu la laisserais mourir? Bien sûr que oui. Nate, donne-moi ta putain de main. Tenez! Qu'est-ce que tu fous? C'est foutu! Je te dis de ramener les fesses! Allez! Non! Nate! Non! Allez! Ok, on court. Dépêche! Celui, il faut qu'on sorte de là! Tout va s'effondrer! Non, tu crois que je suis pas au courant? Avec trois putains de balles! Mais comment t'as bien pu faire ça? Allez, on va là! Oh putain! Tu vas pas m'emmerder toi, hein. C'est pas le moment. Hein. Ouh, ça fait mal ça. Quel combat les enfants, c'est épique. Putain, oh putain, ouais, tu fais quoi là? Monte! Allez, allez! Oh la vache, ça c'est du bordel! Oh, que je fais quoi là? Allez, va coucher! En pleine tronche. Allez, même toi de mourir parce que nous on va pas tarder à fondre dans le sable tout. Enfin c'est terminé, c'est pas trop tôt.
Et elle là, oui. Ben adieu, là. La richesse inestimable, hein. Ben... Ça fait pas beaucoup. Ça suffit. Ouais. Attends un peu, Nate. Ça va? Ouais. Ouais, il y a juste un truc qu'il faut que je te dise, c'est tout. Ok. Dis-moi. Tu sais, mon père était un nul. J'ai mal démarré. Arrivé à 40 ans, je me suis dit que j'aurais jamais de fils. Et j'en ai jamais voulu. J'y connais rien, moi, à l'éducation des gosses. Et puis, t'as débarqué dans ma vie. Et t'as pas... Non, non. Écoute-moi. Il le faut. J'ai fait beaucoup d'erreurs au fil des ans, petit. Beaucoup. Et... Bah, je suis pas... quelqu'un de parfait. Tu me fais ta demande, Sully? Je t'adore, non, mais... stop. Stop. Arrête de faire le malin juste une minute. Ça fait combien de temps que t'as ça? Trop longtemps. Je l'avais perdu. Tu sais, petit, on n'a pas le pouvoir de choisir ses débuts dans la vie. La vraie valeur dépend de ce qu'on arrive à en faire. Hey. Hey. Tu vas quelque part ? Peut-être. Je suis vraiment désolée pour ta bague. Ouais. C'est rien. J'ai récupéré encore mieux. On se tire d'ici, d'accord? Ouais. Venez, c'est par là. Mais... Venez! Et confiance. Qu'est-ce que tu mijotes? C'est pas vrai! Ah, il est moins beau que celui que vous avez détruit il y a 4 ans, mais... c'est grand. Allez! Voyons si je sais encore piloter cette sale machine. Dis-moi, il y a des parachutes, hein? Oh oui. Trois. Bah, plus ou moins. Et ben voilà, on a terminé donc l'esprit d'Uncharted 3 Remastering HD. Et en plus, moi je suis bien content parce que moi j'ai fini les 3 jeux d'Uncharted avant de la sortie de Uncharted 4. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais me mettre en pouf. Voilà, tranquillus. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, d'avoir fait avec moi Uncharted The Nathan Drake Collection. Avec les 3 jeux sur PS4. Moi j'étais très ravi c'est d'avoir terminé le premier jeu parce que c'était la première fois que je le terminais. Bon évidemment tous les 3 jeux étaient en mode facile, donc mode découverte, hein, c'est un peu normal parce que comme ça au moins ça vous permet de voir un peu le jeu. Et en plus de ça, on pourra faire le Uncharted 4 en live un samedi soir. Donc je pense faire ça à 21h, je sais pas, on va voir. Pour l'instant on n'y est pas encore. Parce qu'on a encore beaucoup de live, on en a à peu près encore deux, je crois.
de samedi, donc c'est dans 3 semaines, donc Uncharted 4 en version live. Voilà. Sur ce, donc moi j'ai bien aimé qu'ils ont fait la version PS4, bien entendu on voit la différence, hein, parce que j'ai les anciens jeux PS3, donc je vois la différence. Maintenant que j'ai fait les 3 jeux, je vais pouvoir revendre les anciens jeux. Et puis je me le referai sûrement en normal, en difficile, je sais pas, en vidéo, je sais pas du tout. Mais voilà, moi ça m'a fait très plaisir de vous avoir fait ça. Maintenant, hâte de faire le quatrième. Maintenant, je vais pouvoir passer à d'autres jeux en attendant. Ah, donc là, à l'heure actuelle, j'ai prévu du Resident Evil Revelation 2, du Assassin's Creed Syndicate et du... comment ça s'en parle déjà, je ne sais même plus l'autre nom du jeu. Je ne sais plus trop. Bah, Uncharted 4, je cherche en plus que c'est celui-là, mais voilà. Ça fait 3. En fait, ça fait. Bon, je sais que ça fait un peu plus de plusieurs mois que les révélations de Resident Evil et de Assassin's Creed Syndicate est sorti. Mais disons que c'est les derniers jeux sortis sur les deux licences donc, que je vais vous faire. En attendant les prochaines sorties. Et Uncharted 4, tout nouveau, tout beau, tout frais. Voilà. Donc je arrête de parler de ma vie, de ma live, hein, n'est-ce pas? Et je vais vous laisser donc sur ça. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un commentaire en dessous de la vidéo, et surtout de vous abonner, de faire abonner vos proches, parce que c'est très important, surtout pour moi. J'essaye d'évoluer la chaîne, j'essaye d'avoir de bon matériel pour que vous puissiez m'entendre, qu'on puisse entendre le jeu, etc., etc. En espérant que ceci aboutira à beaucoup de choses par l'avenir. Voilà, en tous les cas, merci d'avoir suivi ce Let's Play et les deux autres Let's Play de Uncharted. On se retrouvera pour le prochain Uncharted 4. Salut tout le monde, c'était Tagorko. Tout de suite, c'est l'outro. Ciao, bye.